Bonjour les enfants! Eh bien pour commencer, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien au chaud à la maison puisque l'école a fermé. Donc nous aussi on est rentrés à la maison et vous demandez sûrement pourquoi. Eh bien c'est à cause d'un virus. Un virus, qu'est-ce que c'est? Eh bien il faut imaginer des minuscules, des tout petits organismes qu'on appelle des bactéries qui transportent des maladies. Et des bactéries, il y en a tout autour de nous. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté ces derniers jours pour se laver les mains. Et pour vous montrer ça, je vais tenter une expérience que vous pouvez refaire à la maison. Alors, des bactéries, c'est tout petit, ce sont les points noirs que vous voyez là. C'est tout petit, il y en a partout, on les voit même pas tellement c'est petit. Mais il y en a sur tous les objets qu'on touche. Alors forcément, quand je touche un objet, eh ben, je m'en mets sur les doigts. Alors que quand je me lave les mains avec du savon, hop, je fais fuir, vous avez vu ce qui se passe? Je me débarrasse de toutes les bactéries. C'est pour ça que c'est très important de continuer de se laver les mains et surtout de rester à la maison. Rester à la maison, ça évite d'attraper le virus, mais aussi de le transmettre aux autres. Rassurez-vous, les maîtres et les maîtresses vous accompagnent même à la maison. On va continuer de vous envoyer des jeux et des activités pour continuer l'école à la maison. D'ailleurs, on va commencer par un petit défi. On va vous demander de vous fabriquer une super cabane, de nous envoyer vos photos. Et comme ça, on pourra élire la meilleure cabane, la plus belle cabane. D'ici là, prenez soin de vous.